PBWorks est un outil de travail collaboratif qui permet de créer un ou plusieurs wikis, appelés workspace, c'est-à-dire espace de travail, dans PBWorks. Un wiki, c'est un site web qui permet à une communauté de travail de créer et d'organiser du contenu. En voici quelques exemples parmi des milliers. Pour utiliser PBWorks, il faut commencer par créer un compte. Une fois un compte créé, on peut soit créer son propre wiki, soit rejoindre un wiki existant. Pour créer votre compte, rendez-vous sur pbworks.com, puis cliquez sur « Get started with a free version of PBWorks now ». PBWorks propose plusieurs modes de wiki. Nous choisissons ici celui dont les fonctionnalités sont les plus adaptées à l'enseignement. Cliquez donc sur K12 Education. Plusieurs choix d'installation s'offrent à vous. Nous allons ici installer le wiki basique, qui est gratuit. Cliquez donc sur Select. Sur la page qui s'affiche, vous allez choisir votre adresse de wiki telle qu'elle apparaîtra dans la barre URL. Acceptez ensuite les conditions d'une utilisation non commerciale de votre wiki. Choisissez votre nom tel qu'il apparaîtra sur votre wiki. Entrez votre adresse email. Et entrez le mot de passe qui vous permettra d'accéder à votre wiki. Cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante. Vous allez alors recevoir dans l'adresse de messagerie que vous avez précédemment indiquée un email de validation de votre compte. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans cet email pour finaliser l'activation de votre compte. Ça y est, votre workspace, c'est-à-dire votre wiki, a bien été créé. Vous allez ici déterminer qui peut voir votre workspace, qui peut voir votre wiki. Anyone, c'est-à-dire tout le monde, signifie que votre wiki est public. Only people I invite or approve, c'est-à-dire seulement les personnes que j'invite ou approuve, signifie que votre wiki est privé et réservé à une équipe de travail, comme par exemple un comité d'organisation d'une manifestation. Posez-vous ces questions et choisissez en conséquence. Acceptez les termes et conditions de PBWorks et cliquez enfin sur « Take me to my workspace ». Vous arrivez alors sur la page d'accueil de votre workspace. Son nom apparaît ici en haut. Votre espace de travail, votre wiki, propose 4 onglets. 2 pour ajouter du contenu, ce sont les onglets Wiki et Pages and Files, et 2 onglets pour gérer le wiki lui-même, ce sont les onglets Users et Settings. Nous allons examiner ces onglets dans les tutoriels suivants.